entre 1858 et 1964, la verrerie de Gutzenbruck, en Moselle, a produit des centaines de milliers de boules de Noël exportées à travers le monde entier. En 1998, le Centre international d'art verrier de Meisenthal invitait d'anciens verriers du village voisin de Gutzenbruck à transmettre les techniques de fabrication de ces boules et relançait leur production dès l'année suivante. En complément de la réédition de modèles anciens, chaque année, un créateur est invité à revisiter cette tradition pour enrichir la collection d'un nouveau modèle contemporain. Dès 2012, le CIAV s'associe à l'opération départementale Les Noëls de Moselle. En 2012, le designer Thibaut Alguéière organise le mariage insolite entre une boule de Noël et un pneu neige. En 2013, le studio Ziegler et Brichet donne vie aux super-héros des montagnes. En 2014, les designers de Nox Studio enregistrent le son de leurs pas dans la neige et convertissent un extrait de ces courbes de fréquence en une forme. En 2015, le studio Monsieur rend hommage à la naissance du premier outil, ancêtre du geste artisanal. En 2016, la designer Raphaël David fait sa fête au Presse Citron, produit par le passé à Meisenthal, et le fait passer du vaisselier au sapin. En 2017, l'agence GG évoque la délicieuse impatience d'avant Noël et crée le premier Noëlomètre au monde, qui fonctionne avec une boule de Noël crantée. En 2018, que restera-t-il une fois l'armure déposée, la carapace percée? Il restera l'essentiel, le trésor de nos jardins secrets. Un cœur à prendre, léger et vaillant.